J'ai faim, j'ai soif. J'attends, pas de couteau, pas de fourchette. Tu n'as qu'à te mettre à ta place. Tu pourrais faire attention tout de même. On voit bien que c'est pas toi qui range. C'est pas parce que papa et maman ne sont pas là qu'il faut te croire tout permis. Pour une fois, tu étais chic, dis donc. Tu as l'air fin avec cet habit de con. Je te défends de me servir. Écoute, c'est pas assez qu'il porte à s'en foutre plein la gueule. T'as même pas regardé mes bouquins. Je sais pas ce que j'ai, la nourriture me dégoûte. Fait trop chaud. Garde ça. Premier prix de récitation. Premier prix de conduite. Premier prix de morale. Deuxième prix d'atelier. C'est pas toi qu'on fera autant. Je vais pouvoir en tirer 3000 balles de ces bouquins. Ça me botte. Tant pis, je ne mangerai rien. Mademoiselle veut garder sa ligne. Aurait fallu y penser plus tôt. Qu'est-ce à dire? Guili, guili, guili. Ça suffit, hein? Laisse-moi passer. Je vais retourner ton steak. Et bien saignant, surtout. Je sais. C'est pour savoir l'heure. Ma montre ne va pas. Quatrième roue, il saura exactement l'heure qu'il est. 19h49. Quand son montre libre, ratata, ratata. Tu n'es pas drôle. Tu aurais pu rentrer plus tôt. T'es pas blindé à garde dehors. C'est même pas le crépuscule. Je suis pas au pied, c'est ce moi bouffé. Du reste, c'est Thomas, c'est ce que tu réussis le mieux. Je te remercie. Allez, mange. Recouf. T'es complètement bourré. Non, à ma sauce. Alors la bouffe, elle se magne. J'attends que t'aies fini. Amen, amen. Les mélanges, ça me botte. Voilà, voilà. Je t'ai dit pas trop cuit. J'y peux rien, tu n'en finissais pas de finir tes tomates. Tu n'as qu'à manger plus vite. T'as le feu au cul, ma parole. Faut pas la piffer, cette barbaque. Il va me faire crever. Peau de vache. T'as encore mis du gras dessus, sang. Tu rêves? Oh! Ah, la petite pédée, tu vas me payer ça! Assez de manière! D'ailleurs, toutes les boutiques sont fermées. Et puis, si tu continues comme ça, tu vois tes 500 francs du dimanche. Tu peux toujours les attendre.
Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, tu iras toi-même chercher ton chandail. Alors, foire, et tu m'as foutu la colique avec ton steak. Faut que j'aille aux chiottes maintenant. Vite, il n'y a plus de torche, porte-moi sous la porte. Oh non, c'est pas possible. Ah! Oh. Écoute, pousse ça, reste. Voyons voir ça. Mais non, faut toujours saler quand tu fais chauffer, pas quand tu les mets, les nouilles. On me les coupe pas, surtout mes nouilles. Quand tes spaghettis ne sont pas coupés, tu manges comme un dégoûtant et tu en mets partout. Ah! Je te défends de faire tomber l'eau des water à retardement. Ça me fait peur, tu ne peux pas savoir. Va demander quelque chose à Françoise pour embasser le beefsteak. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et ta sœur? Ça va. Il fait beau ce soir, mais le fond de l'air est frais. Un vrai temps d'été, mais un peu lourd. Oui, un peu lourd. Je vous dérange peut-être? Non, non, pas du tout, au contraire. Oui? Tiens, il y a ma sœur qui a oublié de me remonter de la viande pour ce soir. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle n'était pas normale. Ça doit être la chaleur. Elle était dans tous ses états parce qu'elle a oublié de remonter de la viande pour ce soir. Me faire toute cette comédie pour un steak trop cuit. J'avais pensé qu'il se pourrait que vous ayez par hasard quelque chose de côté que vous pourriez nous prêter jusqu'à demain. Oui, mais certainement. De la viande. Attends, qu'est-ce que tu préfères? J'ai du gigot d'agneau, du foie de veau, des saucisses, à ton choix. Oh, moi ça m'est égal, c'est pour Nicole. Je crois qu'elle préfère les saucisses. Bon, attends une seconde. Je vous en prie. Voilà, c'est tout ce dont tu avais besoin. J'espère que je ne vous prive pas au moins. Non, non, pas du tout. Sans façon? Sans façon. Merci beaucoup, elle vous les rendra demain matin. Oh, ça n'a pas d'importance. Alors au revoir et merci encore. Au revoir. Tiens, voilà. Merci. J'étais obligée d'en donner un coup de balai avec toutes tes cochonneries. Comment Françoise va-t-elle? Oh, j'ai compris. Oh, l'enfoiré. T'as fait mon bif avec la margarine? Je veux plus voir ça chez moi. Oh, mais non. C'était du beurre. Je m'excuse. Une bonne sœur. Je te désengueule. Hé, hey, piquez mes saucisses. Piquez. Laisse-moi tranquille. Tu ferais mieux d'aller chercher ton chandail. Tu lis à table maintenant? Je fais comme toi. Oui, mais moi je lis pas de conneries. C'est au programme. Ouais, quand c'est une bulle. Tu es bien placé pour en parler. Oh, j'ai lu ça quand j'étais jeune, ça vaut pas grand chose. La synthèse est dans le sens le plus général du mot. L'acte qui consiste à ajouter diverses représentations les unes aux autres et à en réunir la diversité en une connaissance. Cette synthèse est pure. D'une part, c'est pas vrai, d'autre part, j'y comprends rien. D'abord, pure, qu'est-ce que ça veut dire? Une synthèse est tout à fait le contraire de quelque chose de pur. D'ailleurs, Kant, pour la synthèse, tu parles, il peut aller se rhabiller. En fait, la logique transcendantale, qu'est-ce que c'est? C'est de la gnognotte. Les noumènes, c'est de la merde. Tu deviens vulgaire. Si ton père te voyait. C'est louche.
Qu'est-ce que tu branles? Tu sors? J'ai bien le droit, non? On m'attend. Ah, c'est pour ça que tu me presses tant? Égoïste. Avec qui sors-tu? Ça te regarde. Ah, je t'ai vu l'autre jour avec un petit mec au type gominé. Il est propre et poli, lui. Il m'attend à 8 heures. Tu ferais bien de te dépêcher un peu parce que j'ai toute la vaisselle à faire. Ah, tiens. Je vais en prendre un petit peu, je commence à avoir faim. Au fait, pour sortir, t'as demandé la permission à papa? Oh, écoute, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire toute seule. Oh, je te défends de sortir avec ces petits couillons qui ont la gueule rasée, une cravate et des pompes à l'italienne qu'ils ont mis 2 heures à cirer. Ça me fait mal. Tu me bouffes toutes mes nouilles, andouille. Il va me rester plus rien. Allez, va m'en refaire. Évidemment, tu me demandes ça exprès pour me mettre en retard. On fait muse avec les nouilles. Fais comme moi, ça va 2 fois plus vite. C'est pas gentil de laisser ton père faire comme ça tout seul. C'est pas gentil. Si tu crois que c'est agréable de passer la soirée avec un clown dégoûtant comme toi. Ça va, si je suis comme ça, c'est pour pas m'emmerder, pour pas t'ennuyer. C'est par gentillesse, tu pourrais me remercier. Sans moi, tu t'embêterais drôlement, mais tu veux pas le dire. Ça t'emmerderait de le dire, alors le dis pas. Si j'étais comme toi, qu'est-ce que je m'embêterais? Mais moi, je m'ennuie jamais. Oh! Mon Dieu, bordel de Dieu, c'est honteux, la seule que j'avais. Ah, oh, fumière, tu l'emporteras pas au paradis. Touché, pas dans le mille, bravo. Aïe! Allez, chauchis, c'est pas trop tôt. Celle-là, c'est pour moi. J'ai faim, ça revient. C'est pour moi, il y a intérêt, j'ai déjà pas eu de beefsteak. Rends-la-moi, sinon je te fais supprimer tes 5 enfants du dimanche. Oh! Écoute, Jojo, je ne t'ai rien dit jusqu'à présent parce que ça ne sert à rien. Mais cette fois, c'en est trop. Celle-là, tu l'auras pas volée. Tu ne t'es pas fait trop mal à la main? J'aurais pas cru ça de toi. Bon, tu feras mieux de potasser tes examens au lieu de courir tout le temps. Au fait, c'est quand ton oral? Ça commence dans 2 jours. J'en ai marre, marre. À quoi bon réviser l'oral puisque je suis sûre d'être collée à l'écrit? D'ailleurs, les études, ça ne sert à rien. Vous êtes toutes pareilles. À votre âge, vous vivez que dans les nuages. Avec ce que tu lis, on comprend ça. Tu comprends pas que pour vivre, faut travailler pour de bon. Aujourd'hui, on court le 100 mètres en 9-9. On bâtit des villes entières sur 4 pieds de béton armé avec des vérins de 300 tonnes. On monte même le Parpaillon avec le 13 dents. Le mois prochain, on va sortir des avions de croisière qui font le tour de la planète à plus de 3 mâches. Pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu fous? Tu te pomponnes. Oh. Déjà? Pourvu qu'ils ne vont pas me chercher. S'ils voyaient l'appartement dans lequel je vis, tout mansardé, il en ferait une tête. Vivement qu'on change de gouvernement et qu'on soit relogé. Tiens-toi convenablement. C'est bien fait. Fallait m'écouter. Et mange convenablement. Arrête de m'imiter. Tu ne sais pas, tu joues faux. Si tu continues, je t'imite. Garde-moi un peu cette gueule de paumé. Hops, hops, hops. Tu es vraiment une dégueulasse. Si
Monsieur Gourguet, s'il vous plaît. C'est un étage au-dessus. C'était pas lui. Ah, le pain, c'est pas trop tôt. Tu t'es fait une belle tâche. Il faut que j'en change. Chouette, il va y avoir du striptease à côté. Faut que j'aille voir ça. Tu devrais avoir l'habitude. Ah, c'est toujours délicieux. Sont sûrement bonnes tes confitures. Tu as vraiment de beaux yeux. Aujourd'hui, Jojo, une fille qui n'a pas un beau regard est une fille perdue. Tu es beaucoup trop moulée comme ça. Pense à notre réputation quand même. Ah non, c'est pas possible, il m'a déjà vue avec. Tu fais exprès de prendre un soutien une taille au-dessous. Change. Mêle-toi de tes affaires. Mais une combine au moins. Je te supprimerai ton argent de tous les dimanches du mois pour t'être conduit de la sorte. Oh, quoi? Non, mais tu veux une pêche? Ça, chez les bulles. Tu vas voir ça. Oh, j'ai plus faim. Emmène-moi, je te prie. Tu vas pas me laisser tout seul. Laisse-le tomber pour une fois. Mais tu rêves. Et l'amour fraternel, qu'est-ce que tu en fais, dépravé? Je vais avec vous. Je te promets de rester bien sage entre vous deux. Je me ferai tout petit. Tu m'en veux pas pour ce soir? J'étais bien gentil, bien mignon. Fais-moi une grosse pipisse sur le bout du nez. Je suis triste. Allez, tu pourras partir tout de suite après. Je te ferai la vaisselle. J'arrive!